Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette série. Moi, c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne, on parle couture, créativité et corset. Et aujourd'hui, je vais faire le portrait de Shoshi de Costume Literate. J'avais commencé par vous préparer, par vous scripter une voix off dans laquelle je vous décrivais par le menu ce que je faisais sur cette illustration. Et pour tout vous dire, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai plusieurs vidéos dans cette collaboration, je fais plusieurs portraits à peu près avec la même technique. Du coup, est-ce que j'allais vous raconter la même chose dans chaque vidéo à quelques micro-différences près? Si je dois faire la description, je fais un croquis au crayon, que j'ai oublié de filmer pour cette fois. Oups. Je fais un ancrage avec un marqueur fin résistant à l'eau, la couleur à l'aquarelle, quelques détails en couleur au crayon de couleur, des rehauts de blanc avec un gel pen ou un Posca. Et voilà, la vidéo elle est finie. La vérité c'est que ce format de vidéo c'est un peu nouveau pour moi. Je repars pas vraiment de zéro, mais je sais pas encore exactement comment vous présenter une vidéo de dessin où je vous emmène avec moi pendant que je crée quelque chose sur la page. On nous dit beaucoup à nous les créateurs qu'il faut nous concentrer sur une seule niche spécifique. J'ai toujours été très mauvaise à cet exercice. Faire un seul type de produit, un seul type de dessin, me concentrer sur une seule période, faire des vidéos sur un seul sujet, j'ai jamais été très bonne pour choisir. Cette chaîne pour moi, c'est aussi un espace de création et d'expression. J'y trouve petit à petit mes marques. Et je me rends compte que j'ai besoin d'essayer de me confronter avec le matériel, avec ce que je veux créer, pour savoir d'une part si cela me plaît, si ça me convient, mais aussi comment je vais faire les choses. J'avais envie, depuis le début de la création de cette chaîne, de parler de dessin et d'art, mais j'étais un peu bloquée parce que je savais pas comment le faire. Cette collaboration des portraits de Costume, ça a été le déclencheur, le bon coup de pied aux fesses qui m'a forcé à m'y mettre, à me lancer enfin et à trouver comment j'allais le faire en cours de route. Alors bien sûr, ça m'oblige à lâcher prise un petit peu. Certes, je me suis renseignée, j'ai regardé d'autres vidéos de ce genre-là, j'ai pris des notes sur ce qui me plaisait dedans, sur la façon dont elles étaient montées, sur la façon dont les images étaient posées sur de la musique ou sur de la voix off, sur ce que les créateurs et créatrices racontaient dans ces vidéos, mais je serai jamais parfaitement préparée, et mes vidéos, surtout mes premières vidéos, ne seront jamais parfaites. Il faut que j'accepte que ce que je crée va aussi... Chaque chose que je crée a un petit peu sa volonté propre et des fois, ça va prendre des directions un petit peu inattendues. Alors oui, il y aura des erreurs. Il va y avoir des problèmes, je vais me retrouver bloquée à certains moments. Mais la créativité pour moi, c'est trouver des solutions, c'est trouver des façons de contourner le problème, de le traiter différemment. C'est aussi comme ça que j'ai petit à petit développé ma technique actuelle pour la couleur, que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément toujours très juste dans les couleurs que j'essayais de faire, mais que je pouvais faire des couleurs qui étaient pas du tout réalistes, faire les cheveux bleus, et quand même faire un portrait qui fonctionnait. Pareil, dans cette vidéo, j'ai eu des petites erreurs au tournage, j'ai eu des soucis de lumière, j'ai oublié de mettre la caméra en marche quand je faisais le croquis au crayon. Mais c'est important de se dire, quand on crée quelque chose, que
Certes, là il y a un problème, maintenant on l'a noté, et on pourra s'en servir pour faire mieux la prochaine fois. Notre perfectionnisme va avoir tendance à nous dire qu'il faut tout recommencer depuis le début, à nous faire penser de façon binaire. Soit c'est très bien, tout va bien, soit tout est foutu, et il faut tout refaire. Mais si on l'écoute dans ces moments-là, il ne va pas nous aider à progresser. Quelque chose qui était aussi très intéressant dans cette collaboration et qui me donne envie d'aller plus loin et de continuer à faire des portraits, c'était que je faisais plusieurs fois le même exercice. À faire plusieurs fois le portrait, à faire plusieurs fois la vidéo du portrait, ça me donne la possibilité de faire mieux la prochaine fois. Je sais qu'il va y avoir une prochaine fois. Je sais les erreurs que j'ai déjà faites, les écueils que j'ai déjà rencontrés, les choses auxquelles je dois prêter attention pour faire en sorte que le deuxième morceau de cette collaboration soit mieux que le premier. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien travailler sur des séries, parce que ça me permet de peaufiner petit à petit ma technique, de voir les petits défauts que je peux corriger d'une version sur l'autre. Et puis aussi, ça me donne des idées. Avoir un thème commun imposé à plusieurs illustrations, avoir une quelconque contrainte autour d'une création, pour moi ça a toujours été source d'inspiration. C'est un blocage, un obstacle, et il faut trouver une façon de résoudre le problème. C'est pour ça que j'aime bien aussi participer, ou en tout cas essayer de participer à des choses comme Mermeil ou Inktober. C'est l'idée d'avoir un fil conducteur, une contrainte, et de créer plusieurs fois quelque chose à partir du même point de départ, du même thème. C'est toujours quelque chose qui m'inspire, qui m'enthousiasme et qui me donne des idées, et je me retrouve généralement à avoir plus d'idées que ce que j'arrive à réaliser au final dans le temps qui m'est imparti. Je crois que je suis partie sur une longue tangente sur la créativité, mais bon, en même temps, c'est aussi ce dont je veux parler sur ma chaîne. Je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo et on se retrouve dans la conclusion. Alors j'avais pas du tout prévu que le portrait ferait autant bleu, blanc, rouge à la fin. C'était un petit peu la surprise. Mais j'aime bien l'atmosphère qui s'en dégage. C'est pas exactement la même que ce qu'il y avait sur l'image d'origine. En même temps, j'ai beaucoup changé les couleurs, donc c'est assez logique. Mais je crois que c'est un de mes préférés de toute la série.
Comme d'habitude, vous avez tous les liens utiles qui sont dans la description en bas. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de cette série.